un orage de dingue. Ah ouais, mais là, que de la foudre et des éclairs non-stop là, pendant une demi-heure. Alors, c'est pas stationnaire, mais c'est impressionnant. Hein. Une sacrée super cellule, oui, tu veux dire. Attention. On va en avoir un ou deux, tu vas voir. Qui va bien claquer, parce que là, ça commence à se calmer un peu. C'est magnifique, hein. C'est un truc de malade. Attends, tu vas t'en prendre sur la gueule à un moment donné, tu vas voir. Parce que là, c'est vraiment dangereux. Là, il nous passe au-dessus. Donc, de toute manière, il va falloir subir un peu là. Il va falloir subir les foudres un petit moment là, pendant 15 minutes. Quoi. Bon, c'est hyper dangereux, mais bon. Moi je ne me prête pas la vie. Ouais, et puis là ça tape bien au-dessus. Hein. Je peux pas mieux faire en fait. J'essaye de m'orienter. Puis en plus la fou. Oh, ouais. C'est au-dessus. Encore un. J'essaye de filmer l'axe où ça tombe, mais hein, ça prend tout le pied de pluie. Quoi. Incroyable. Ouh la vache! Ah bah lui! Oh, lui, il va se faire entendre aussi, va. T'inquiète pas. Ah, c'est au-dessus, donc ça, de toute manière, hein, ça ne peut pas finir à faire autrement. Hein. C'est indescriptible. Oh la putain de Sarah, c'est indescriptible. Fais attention parce que. Tu te dis que si tu t'en prends un dans la gueule, là, oui. Ah bah là, là t'es marron quoi, parce qu'il est juste au-dessus. Hein. Oh putain, hein, il est tombé dans le rideau de pluie, là, dans le pied de pluie, là, là où je filme. Il nous est passé au-dessus, puis on l'a pris en pleine poire, en fait, quoi. C'est ça, on a pris l'orage en pleine gueule, en pleine gueule. C'est incroyable.